Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie avec le Ken de la collection Barbie Extra Fly. Alors j'adore cette poupée, mais aussi je tenais surtout à remercier mon ami Hugo parce que c'est le cadeau d'anniversaire que mon ami Hugo m'a fait le jour de la convention Barbie. Voilà, il m'avait apporté un cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire était le 21 février, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit ici. Bon, j'ai dû déjà le dire parce que j'ai fait une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, donc voilà, je suppose. Et voilà, j'ai eu ce magnifique Ken. Alors il était acquis en pensant que voilà, est-ce que je l'avais ou pas. Je n'ai aucune Barbie de la collection Extra Fly et c'est bien dommage parce qu'elles sont absolument magnifiques. C'est vraiment la dernière gamme de Barbie Extra qui sont sorties avant l'arrêt définitif de la gamme. Et regardez-moi ça déjà, la boîte, elle est trop mignonne. On a vraiment un petit trolley. C'est vraiment trop mignon, une petite valise à roulettes comme ça qui est vraiment adorable. Alors on a une petite anse avec extra marquée juste ici, avec des petits arc-en-ciel et ça se termine par un petit nuage. Alors voilà, vous pouvez la tenir comme ça. Mais c'est vraiment adorable, je trouve que l'idée est vraiment géniale. Donc c'est vraiment une gamme qui pousse au voyage, donc vraiment qui montre des Barbie extra qui partent en vacances et c'est vraiment adorable. Je les avais déjà vues en magasin et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment, vraiment magnifiques. Il y en a plusieurs de cette gamme que j'aime énormément et voilà, me dire que voilà, j'ai eu ça comme cadeau d'anniversaire. Je te remercie encore Hugo parce que je l'adore. En plus voilà, c'est un Ken avec des cheveux colorés, voilà, moi j'adore les Barbie avec des cheveux colorés, donc forcément l'été à Ken, mais j'ai pas beaucoup de Ken. Étrangement, j'ai pas beaucoup de Ken. C'est même pas que je ne l'aime pas ou j'aime pas Ken, mais j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des Ken dans les magasins près de chez moi. Et c'est vrai qu'en général, c'est pas les plus répandus. D'ailleurs, quand il y avait le Ken sirène, le Ken Merman qui était sorti il y a quelques années, celui avec sa magnifique queue bleue et sa nageoire un peu rosée comme ça. Je l'ai acheté directement parce que j'ai eu la chance de le voir, il était nickel, je l'ai pris parce que après je ne l'ai plus jamais revu en magasin, jamais. Donc là j'estime que j'étais chanceux de l'avoir trouvé à ce moment là, mais celui-ci je crois que je ne l'ai jamais vu en magasin près de chez moi. Et franchement c'est vraiment une chance de pouvoir l'avoir, donc on va vraiment passer à la review et le découvrir ensemble. En tout cas, je peux déjà dire que la boîte, je la trouve trop mignonne. Voilà, on a Barbie Extra Fly. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le logo Barbie classique et puis on a Extra Fly qui est écrit en matière un peu, en couleur un peu holographique. Et puis, on a un avion juste ici en dessous qui a fait tout un petit... Et comme les avions, ils font toujours avec cette espèce de nuage, cette espèce de traînée qu'ils ont derrière eux. Et là, en fait, ça forme un grand nuage pour entourer le Barbie Extra Fly. Je trouve ça trop mignon. On a juste ici, voilà, une petite étiquette avec la Terre et un avion qui en fait le tour. Et on a un magnifique artwork avec le Ken de cette collection. On peut voir aussi qu'on a 15 pièces. Donc, c'est marqué juste là, oui, voilà. On a ici extra, donc la petite poignée que je vous ai montrée. Et juste derrière, on a une photo de la poupée avec des îles derrière, des palmiers, etc. Tout ce qui fait rêver une fois que l'été approche. On a à nouveau comme quoi on a 15 pièces. Et puis on a des petites photos avec des plages. On a un petit passeport. On a des photos avec d'autres poupées de la gamme juste là. Et ici, au-dessus, on a la collection complète. Je vous laisse quand même regarder. Hop. Elles sont magnifiques. En plus de cette collection-là, je pense qu'il n'y en a aucune que j'aime pas. Il n'y en a aucune que j'aime pas. Elles sont absolument toutes magnifiques. Il y en a une qui a un look un peu festival, comme ça, avec des cheveux colorés, roses, bleus, etc. Je me suis dit, oh, celle-là, il me la faut. C'est là une veste à franges, donc franchement... Voilà, on est en plein dans le côté boho, folk, c'est vraiment oui, le look festival. Et on en a une aussi avec, je crois que c'est celle avec son chapeau, que vous voyez juste ici. Elle est canon, elle a genre 3-4 colliers qui lui prennent tout le cou, etc. Elle est super belle, elle a des accessoires magnifiques. Vraiment, j'adore. Alors pour ce qui est du côté, regardez, on a ici plein de petits nuages en relief qui sont vraiment
dans le plastique, sont moulés dans le plastique. Et puis, si ça fait le focus, encore une fois, allez, on se réveille. Oh gosh, il a pas envie de bosser aujourd'hui, c'est abusé. Voilà, enfin, donc on a comme des petites cartes postales, donc extra fly avec une petite plage, puis on a ici un petit passeport, on a à nouveau une petite, un petit logo de la Terre avec l'avion qui fait le tour, et puis de l'autre côté, on a un petit avion qui me fait beaucoup penser à l'avion Barbie d'ailleurs. Et puis on a extra fly comme une espèce de ticket de vol, billet de vol, avec marqué 5 heures dessus. Puis juste en dessous, on a une plage avec le logo Barbie. Alors, ici sur le ticket, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça, c'est les coordonnées de vol, et c'est bien un billet pour son vol. C'est vraiment génial. Ah, et sur le dessus, on a aussi une petite carte avec un point comme quand vous regardez sur sous Google Maps. Vous faites un itinéraire sous Google Maps. Et juste à côté, vous avez à nouveau une petite plage avec un panier, etc. Donc on a fait le tour de la boîte. Maintenant, on va passer à l'unboxing et à la découverte de la dot. Et voici Ken Extra Fly déboxé. Alors, je peux dire qu'il est super beau. Il est vraiment très bien fait. Et une chose que je suis super content, c'est que j'ai vu beaucoup de Barbie Extra Fly compris, avec le visage très pixelisé. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez voir qu'il a vraiment un magnifique visage, pas pixelisé du tout. Alors, pour ce qui est des cheveux, il a les cheveux bruns avec des mèches vertes sur le devant. Alors, par contre, les cheveux, on y a été. On a gominé. C'est super, super plaqué. Donc, je pense quand même que je lui laverai les cheveux parce que ça... ça va attirer toute la poussière de la maison, c'est souvent le cas. Alors, il a un magnifique visage avec des yeux bruns, brun clair. Il a un casque audio mauve autour du cou. Alors pour ce qui est de ses vêtements, alors ses vêtements sont d'assez belle qualité, ils sont assez fins. Maintenant, il faut se rappeler aussi que ben voilà, il va dans un pays chaud, donc ça me dérange pas du tout. C'est quand même une matière assez voilà, il faut faire attention parce que heureusement, il n'avait pas fiché les vêtements, il n'avait pas fait de trous dans les vêtements. Donc ça, merci, parce que ça, cette matière-là ne s'en serait pas remis du tout. Mais franchement, au niveau de la matière, je trouve qu'il est vraiment d'assez belle qualité. Et si on compte que c'est une tenue de vacances, on voit qu'on a tout un tas de plantes tropicales, vraiment un peu style, ensemble hawaïen. Alors, il a une petite sacoche en bandoulière, une petite sacoche turquoise en plastique qui est assez bien détaillé, et elle est tout en un bloc. Donc on a une petite chaîne ici, on a extra qui est écrit sur toute la bandoulière. Alors on a une petite montre dorée au poignet droit, et on a trois bracelets de l'autre côté. Alors on a une espèce de bracelet un peu style effet perle. Puis on a un bracelet doré et on a un autre bracelet doré avec un coquillage mauve. C'est super joli. Alors pour ce qui est de la fermeture, en fait, on peut voir que ça se ferme avec un velcro juste ici sur le devant. Alors pour ce qui est de son petit short, donc ce sont les mêmes motifs que sur sa chemise. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça se termine par un petit liseré avec des petites vagues. Je trouve ça trop joli. Rappelez, c'est un peu le motif vague qu'on avait sur des bagues dans les années 90. On avait beaucoup ça, enfin 90, 90. Je ne sais plus si ça a commencé dans les années 80 maintenant. Enfin bref, on avait des petites vagues comme ça, c'était juste un anneau avec ce motif de petites vagues. Et puis on avait ça aussi dans tout ce qui était un peu station balnéaire. À chaque fois qu'on allait à la Côte d'Azur, etc., on avait ça même sur certains t-shirts, des petites vagues comme ça dessinées un peu partout. Ça me rappelle vraiment ça, c'est vraiment le côté vacances rétro que j'aime beaucoup. Alors, on a une paire de sandales. Alors là, on retrouve encore le côté un peu vague au niveau de la semelle, regardez. Puis je trouve que les couleurs font ultra vacances, c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors elles sont turquoise et mauve, et juste en dessous, nous avons
Ken qui est écrit, enfin si on arrive à le voir avec la ring light. Je ne sais pas si on le verra. Enfin bon, vous pouvez me prendre sur parole, il est écrit Ken. Donc ici, voilà pour ce qui est de la poupée. Alors on passe maintenant à ses accessoires, parce qu'il a pas mal d'accessoires. On a déjà son sac de voyage qui est de super belle qualité, qui est un peu matelassé, comme ça m'ouvre. On a Ken Extra avec une petite étoile juste ici où il y a marqué Barbie Extra Fly. Alors c'est vraiment cool. Il est vraiment de belle qualité, il est en matière un peu en plastique, un peu souple, et ce qui est génial, c'est qu'il est fendu sur le dessus, donc on peut mettre des accessoires dedans. On a un petit cocktail, regardez ça, on a un joli petit cocktail avec un petit flamant rose dedans, une petite paille, un petit ananas, dans une petite noix de coco. Alors on a un petit trou également pour mettre le pouce de la poupée, pour qu'il puisse la tenir. On a une petite serviette de plage avec de très belles couleurs. Ça fait itis à mort, ces couleurs-là, j'adore. C'est super beau. Bon, la serviette est assez fine, mais bon, ça va. Honnêtement, j'ai déjà vu pire. Alors, on a une petite carte d'embarquement. Juste ici, en carton. On a un petit passeport en carton également. Je vais essayer de vous montrer, c'est tout petit. Voilà, on a un petit passeport. On a une paire de lunettes de soleil qui sont vraiment cool. J'aime beaucoup. Un joli design, même si comme je dis toujours, moi je dois toujours les ranger parce que j'ai souvent tendance à perdre les lunettes de soleil. Pour ça que quand elles ont des cheveux plus épais, je leur croise vraiment sur la tête et dans les cheveux parce que sinon je finis toujours par les perdre. Alors on a une carte d'embarquement un peu pour nous, hein, taille humaine on va dire. Voilà. Extra Fly, on voit qu'il est parti le 18 juillet à 5h30. Avec le petit avion, c'est trop mignon. Et puis on a un petit surf. Alors moi honnêtement c'est la chose que j'aime le moins dans tout ce qu'il a. Parce que je trouve que le plastique est dégueulasse. Voilà, je le dis clairement. La qualité de plastique est répugnante. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit surf comme ceci. Alors il est joli, hein. Franchement, quand on le voit comme ça, il est très joli. Mais regardez-moi la finition derrière. Voilà. C'est même carrément le pivot de la tâche pour sa cheville ou pour son poignet. Je crois que c'est sa cheville. Donc, je suis vraiment pas fan. Et le plastique, voilà. C'est vraiment pas exceptionnel. Alors bon, si on a envie de faire des photos, etc. Bon, si c'est juste comme accessoire, comme ça, pour qu'il le porte ou quoi. Ça passe, ça fait vraiment le taf, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont envie de jouer avec, faire des photos, même peut-être sur la plage ou quoi, c'est pas trop ça. Je trouve ça un peu dommage, surtout compte tenu de la qualité du sac ou de la petite noix de coco, ou même de la poupée elle-même. Je trouve ça dommage de ne pas avoir au moins mis, comme un fond. Au moins qu'on ne voit pas carrément le pivot qui passe de l'autre côté. Enfin bon, voilà. Au moins, on va dire qu'on a 9 sur 10. Il y a juste ça qui va pas, sinon le reste, ça va. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des Barbie de cette gamme également. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, Hugo, merci. Merci énormément de m'avoir offert cette poupée. Je l'adore. Voilà, je le trouve super sympa. En plus, j'ai pas beaucoup de Ken, donc je suis vraiment super content. Donc voilà, n'oubliez pas, commentaire, petite cloche, etc. Comme d'habitude, on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bye!